Bonjour, je m'appelle Nadège Pratt. Je m'occupe des relations internationales. Je travaille en collaboration avec M. Richard Latière et Yaya Kachach. Mon rôle aujourd'hui est d'aider l'association à se développer et à intégrer au cœur de ce projet FUNISOO, qui est un projet émergent de la France du côté du bassin méditerranéen Marseille. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir allier des projets, des nouveautés pour un avenir propre, pour un avenir considérant la nature et la protection des futures générations, que ce soit la protection de la nature, la protection des animaux sauvages, la protection des animaux en général et l'être humain. Si aujourd'hui nous cassons l'écosystème, nous ne pourrons pas évoluer dans un monde avec les bienfaits que l'on souhaite. Nous sommes actuellement ici pour quelques jours. Malheureusement, nous partons dimanche, mais cela m'a permis de pouvoir visiter la ville avec les conseils de M. Kachach et de M. Latière. Nous aimerions aujourd'hui déposer notre projet au cœur de l'Opéra de Casablanca, où également peut-être pouvoir intégrer les jardins du monde arabe. Pourquoi pas espérer à ce que le roi nous entende et puisse avoir un animal au sein de la couronne, puisqu'on le sait, il y a deux lions. Et l'histoire est grande des deux lions, puisque c'est un de vos gouverneurs qui est rentré avec les deux lions il y a des centaines d'années, je crois. Et ceci est important et nous a aidé un petit peu à emmener le lion sur la photo que nous avons mis aujourd'hui. Salam alaikum, Qchech Yahya, Raïs Jmeya. Je suis le président fondateur de l'association pour la protection de la nature verte. Le concept fait le Maghreb, fait Dar el-Bida, il est en train de se renouveler d'une manière extraordinaire avec la place et l'opéra. On aura l'occasion d'avoir beaucoup de choses et de l'exposition qu'on va faire, Inch'Allah, sur la ville entière, elle n'est pas les grandes places, donc les Nations Unies, le parc, etc. C'est des expositions avec des animaux comme grandeur nature déjà. Et où les animaux, c'est pour essayer, normalement, c'est pour sensibiliser les enfants, surtout les étudiants, les artistes, tout le monde d'ailleurs, pour éduquer ces gens à une nouvelle approche pour les animaux. Parce que les animaux, pour l'instant, il y a des animaux qui sont en train de disparaître, il y a des animaux. Moi, mzien le Maghreb, mhtaj l'alam, mhtaj. ولكن le Maghreb, aslan, hna tta hna khassna nkounou sbaqin fhad el midan. لأن مع إفريقيا فيها بزاف ديال الحيوانات خصنا ندافعوا عليهم. والمشروع أنا عجبني داكشي علاش جبتو، لأن فيه بزاف ديال الجوانب، فيه الجانب التربوي، فيه الجانب الفني، فيه سورتو ليدوكاسيون لا كولتور. مجلس المدينة كيرحب بجميع المبادرات ديال الجمعيات المجتمع المدني. هذه الجمعية اللي كتهتم بالبيئة وكتهتم بالحفاظ على الحيوانات والتعريف بالحيوانات في طور الانقراض، يعني رحبنا احنا بها كمجلس المدينة في إطار التنشيط الثقافي. المعروضات ديالهم يعني عندهم هما تجارب في أمريكا وفي فرنسا، رحبوا بها يعني هذه المدن. مدينة الدار البيضاء يعني ترحب
كذلك هذا مثل هذا المبادرات، وحنا غادي نشوفوا يعني اذا كانت سيطلبها الجمهور البيضاوي او الساكنه البيضاويه ان شاء الله، ربما حتى الجماعه يعني تقتني او يعني تعرض للطفوله في اطار ترشيد دائما في اطار التعريف بالحيوانات والمحافظه عليها، يعني كنعتبر حنا هذه البادره طيبه. شكرا.